Hello les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous donner des idées de choses à faire pendant le confinement, du coup pendant qu'on doit rester chez soi. Qui dit rester chez soi dit s'ennuyer. Justement je vais vous donner des idées de choses à faire pour ne pas s'ennuyer tout en s'amusant et tout en faisant des choses intelligentes. Du coup voilà, je vais arrêter de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. La première chose que vous pouvez faire, c'est faire du sport, parce que oui, on va rester en confinement pendant je ne sais pas combien de temps et oui, on va s'ennuyer. Donc qui dit s'ennuyer dit manger, qui dit manger dit grossir, et on n'a pas trop envie de grossir. Du coup vaut mieux faire du sport directement pour garder sa ligne, être bien dans sa peau et bien dans son corps. Et c'est très important. Cuisiner, pourquoi? Parce que vous avez du temps, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, il vous reste encore quelques petits ingrédients pour pouvoir vous confectionner une petite pâtisserie ou un petit plat. Et ben ne vous gênez pas, franchement vous avez plus d'une après-midi pour passer votre temps tranquille. Du coup moi je propose que vous vous mettez devant, devant internet, vous cherchez une petite pâtisserie ou bien une petite chose à confectionner, un petit truc à cuisiner ou à pâtisser. Et franchement c'est assez chouette à faire en famille ou tout seul même, c'est assez sympa. Pour la prochaine chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement travailler. Travailler pour l'école, travailler pour votre job. Vous reprenez des anciens cours, par exemple si vous êtes encore au collège ou au lycée, vous reprenez des anciens cours que vous avez vus durant l'année, durant le mois, vous les re-révisez. Si vous avez des devoirs, vous les faites, comme ça vous êtes tranquille pendant les vacances et pendant le confinement. Mais en tout cas c'est un bon moyen de s'occuper tout en faisant travailler sa mémoire et en faisant travailler son cerveau. Du coup pareil, je vous recommande aussi. Ce que je peux vous proposer aussi de faire, même si c'est bien évident, je suis au courant, mais c'est de regarder des films, regarder des séries sur Netflix, même sur les postes TV, regarder des films, des séries, des mangas, enfin ce que vous voulez, avec votre famille ou tout seul, c'est super, super sympa à faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est jouer à des jeux de société avec votre famille, avec vos frères, avec vos sœurs. Vous faites passer le temps, mais en plus vous vous amusez. Et puis ça resserre les liens avec votre famille, c'est super sympa à faire. Et puis il y a plein de jeux de société qui existent. Il y a Uno, il y a Scrabble, il y a Monopoly, bref, je passe, mais il y en a plein à faire. La prochaine chose que je vous propose de faire, c'est tout simplement essayer de nouvelles coiffures, d'essayer de nouveaux make-up, nouveaux maquillages. Si vous êtes branché maquillage, coiffure, même de nouveaux nail art, vous pouvez essayer vraiment plein de choses. Mais en tout cas, il y a plein de vidéos là-dessus sur ces sujets sur YouTube, même Pinterest. Vous avez vraiment plein d'idées et plein même de tutos hein, comme ça. Il y a plein de vidéos où on vous montre comment il faut faire. Du coup, c'est assez bien quand on s'ennuie et qu'on a envie de s'occuper. Après, ce qui est pas mal aussi à faire, c'est du rangement, du ménage. Vous nettoyez vos armoires, vous nettoyez votre chambre, vous rangez votre chambre, vous rangez, je sais pas moi, le salon, enfin tout ce que vous voulez. Mais vous faites un peu de ménage. Ça, c'est super bien quand vous êtes confiné à l'intérieur. Bon, je sais, c'est pas toujours chouette de faire du ménage, mais je vous promets que moi, ma chambre par exemple, elle était en bordel de chez bordel. Je l'ai nettoyée hier, j'ai rangé hier, et je peux vous dire que franchement, maintenant, elle est beaucoup mieux qu'avant, et on s'y sent beaucoup mieux. Et franchement, c'est mieux de rester confiné dans une chambre qui est propre que dans une chambre qui est sale, parce que sinon, c'est vraiment impossible. Pour continuer, ce qui est évident aussi et que beaucoup d'entre vous allez faire, c'est jouer à des jeux en ligne. Bah, il y a Fortnite, il y a Call of Duty, même des jeux sur application ou sur la Play, c'est super et ça occupe. Après, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, n'hésitez pas à faire du coloriage avec eux parce que ça les occupe, mais ça vous occupe vous aussi. C'est toujours sympa à faire et ça resserre les liens entre la famille. C'est pour la dernière chose que je vous propose de faire, c'est de vous balader sur les réseaux sociaux. Donc vous avez plein de réseaux sociaux qui sont possibles. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a Facebook, bref. Je passe, mais il y en a beaucoup qui sont assez sympas. Et puis même, vous allez par exemple sur TikTok, vous voyez des nouveaux TikTok, vous faites les TikTok, vous vous occupez et ça prend vite fait une ou deux heures de votre temps. L'air de rien, vous restez sur un réseau social, ça y est, vous continuez, vous voyez de nouveaux trucs, vous avez envie d'en regarder d'autres. Et puis c'est une chaîne et on s'arrête plus quoi.
Donc voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous allez faire vous pendant le confinement et pendant vos vacances. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des pouces bleus, je compte sur vous. N'hésitez pas à voir à la fin de cette vidéo mon bêtisier. Donc pour rester bien jusqu'à la fin parce qu'il y a, oui, comme d'habitude, un bêtisier. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner, j'en passe. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. On a un beau corps bien moulé. Ou pour vous avez pour le vous pouvez tout simplement j'ai oublié le reste de ma phrase. Comment prendre du temps pour justement... Mais j'ai arrêté de dire justement, oui. Oh là là. De nouveau assimiler toute sa mémoire, assimiler tous ses cours. Ou dans son lit tranquille avec son ordinateur. Clac, clac, clac. Pinterest, etc. Pourquoi je fais un accent anglais comme ça? Il y a plein d'astuces. Non. A few moments later. Il y a plein... Je ne sais plus ce que j'allais dire. Je reprends. Je ne sais plus. Hein, super. C'est génial. Donc je disais, il y a plein d'astuces. Non mais pourquoi j'ai des astuces ça? Oh là là.